tour est passé, monsieur. Ah oui. Ah oui. Monsieur, on habite loin, viens vendredi, vous êtes fermé, là. Merci. La patience a parfois des limites, côté usager comme côté administration. En ce lundi matin, le centre des finances publiques d'Ajaccio est bondé. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, la fréquentation du guichet a augmenté de 15 à 20%. Je viens parce que je ne suis pas inscrite sur la taxe d'habitation alors que je suis avec mon copain, mon copropriétaire. Donc on m'a majoré alors que je n'étais pas au courant. Bah, il m'a informé qu'il y a beaucoup de monde et qu'il m'a déconseillé de venir le lundi parce qu'il y a du monde quoi, pour faire la queue. Donc je pense que je vais revenir un autre jour. J'ai demandé un rendez-vous par internet, pas de réponse. On appelle, on ne peut pas avoir de rendez-vous. Ça fait 10 fois que je viens depuis le mois de janvier et c'est toujours fermé. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Vous venez de loin ? Il n'y a pas de place. J'habite Cazaillon, quand même. Depuis janvier, seulement 307 visites au guichet sont liées au prélèvement à la source selon la Direction régionale des finances publiques. En Corse du Sud, parmi les 88 374 contribuables, 2386 seulement ont demandé des modifications de taux d'imposition. L'administration y voit le signe d'une transition réussie. Le plus gros a été fait par rapport de ce que vous avez vu. Il n'y a pas eu de bug informatique. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur le prélèvement à la source au niveau de la Direction générale des finances publiques. Donc tout fonctionne. Des petits ajustements, mais extrêmement à la marge, pour être encore plus fin par rapport à la contemporanéité du revenu et de l'impôt, sont un petit peu en cours. Mais le gros est fait. À l'échelle nationale, le numéro vert répondant à toutes les interrogations a été appelé jusqu'à 100 000 fois par jour début janvier. En un mois, ce chiffre a été divisé par 3.